Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle série, le challenge SDF Ultimate Ultra Pro Max 2 Tera. Bienvenue. Vous savez, la première série que j'ai fait sur YouTube, sur cette chaîne actuelle, c'est le challenge SDF. Bah aujourd'hui, c'est une version améliorée. Plus. C'est aussi une série de transition parce que j'ai une idée de challenge qui va être incroyable. Mais vu que je vais bientôt déménager, changer de décor, changer de DA carrément de la chaîne et tout, je préfère faire une série de transition qui va pas durer très très longtemps. Le principe est simple. Nous allons devoir avoir 1 million de simflouz comme dans le challenge de base. Je l'ai pas dit, mais nous allons commencer avec un enfant, mais sur un terrain vide, avec 0 simflouz. Tous les terrains de la ville de Haven Green Harbor sont vides et on va devoir tous les construire. Je n'ai pas le droit du mode achat, à l'exception du pack écologie. J'ai le droit d'utiliser le pack écologie dans le mode achat, mais aucun autre meuble ni rien. Et j'ai le droit du mode construction, donc porte, fenêtre, mur, bien entendu. Tout le reste, ce sera des choses que je vais devoir trouver dans les poubelles, histoire d'avoir un peu d'aléatoire. Et en vrai, j'ai hâte de ouf. Bon les gars, on va créer notre enfant. Garçon ou fille? Bon, vous êtes 80% à vouloir une fille. Nous sommes partis. On va fermer les yeux, on va partir sur une base. Je vais mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous sommes partis avec 7 bases d'enfants. Bon, on va y aller au feeling les gars. Je vous propose déjà de la customiser. Je sais pas du tout comment ça va rendre. Bon, faut partir du principe que ça va être une SDF. Elle vit dans les poubelles en fait hein. Oh, en vrai elle a un style de fou furieux là. Celle-là, je pense que c'est cool. Ça peut donner un truc sympa. Couleur de yeux, on fait quoi les gars? La poubelle verte. Ah en vrai poubelle verte c'est pas mal hein. Bon, je vous avoue que moi je suis très mauvais dans tout ce qui est gestion de personnages. En vrai c'est qu'elle est mimi de fou. Ok. Pour moi il lui faudrait des couleurs. Voilà. Je sais pas, pour moi je partirais sur un truc comme ça. En vrai on va partir là-dessus. Est-ce qu'il y aurait pas genre des accessoires? Une dent. Voilà, une dent qu'elle aurait trouvée. On va créer un petit background pour elle. Ça serait une dent de son grand-père en fait. Il avait une dent un petit peu longue, voilà, on va pas se cacher, mais quand il est mort, il a fait tiens, prends ma dent. Voilà. Pépé, je pense à toi. Bon vas-y, on valide cette tenue là. En vrai, ça serait drôle de mettre beaucoup de background à nos personnages. Je l'aurais bien vu avec du vitiligo. Ouais, c'est vrai, en vrai. C'est que j'ai mis aucun détail. C'est que les détails, c'est important, en vrai. On va regarder ça. On va partir sur celle-là. Au niveau des dents. Alors, soit celle-là, c'est 1. Celle-là, c'est 2. Vous préférez le 2, donc les dents du bonheur. On est parti. Nickel, nickel. Les dents, c'est validé. Et je pense qu'au niveau détail du visage, on va pas rajouter une cicatrice en plus. Ça va faire beaucoup. Trop de détails, tue le détail, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vas-y, on rajoute une petite tache de rousseur. Allez, c'est bon. Oh, par contre, elle est belle, cette tenue de fou. Vas-y, on prend cette tenue. Et voilà, on est bon les gars. Quel trait on lui donne maintenant? Regardez ça. Alors soit une prodige artistique, soit un petit génie, soit un enfant turbulent, soit un enfant très sociable ou polyvalente. En vrai polyvalente. Vous savez quoi? On va aussi se faire un truc. On va tout accepter dans le jeu. Je dois dire oui à tout. Elle aime pas ça? Je dis oui. Quelqu'un veut aménager avec moi? Je dis oui. Et on va sélectionner au hasard son trait de caractère. J'espère qu'on va être chanceux. Amoureuse des chevaux. Joyeuse. Oh, elle est joyeuse. Putain, la chance de fou. L'or. L'or dur. Oh, l'or dur. Pas mal. Bon sang, je m'appelle l'or. L'or dur. Ok, hop. L'or dur. On est bon. L'or dur est joyeuse. Elle aime le corps et l'esprit. En vrai, elle est très mimi. Ok, attendez, on va valider directement ses tenues. Je vous montre un petit peu ses tenues SDF. Voici sa première tenue. Elle fait pas du tout SDF, mais elle est très belle. Habillée, le sport, le dodo, la fête, le maillot de bain, le temps chaud, le temps froid. Voilà, c'est vrai que Noémie m'a dit sur la fin, mais Lucas SDF, il a pas 50 tenues normalement. Voilà, écoutez, on va commencer enfin ce challenge. Ça y est, espérance de vie élevée. Ce qui veut dire que l'or dur grandit dans 56 jours. Donc, écoutez, je pense qu'on va grandir naturellement dans ce challenge avec les anniversaires, les trucs comme ça. Et écoutez, on est parti. Hop là, on va aller directement chercher la benne. On va directement se faire nos premiers simflouz avec les poubelles. En vrai, c'est stylé de jouer un enfant. Moi, ce que j'aime bien dans les Sims, c'est quand en Sims, il a de la vie. C'est toujours triste, je trouve, de commencer avec un jeune adulte. T'as l'impression d'avoir raté toute sa vie, quoi. Bon, on fouille, on se fait nos premières trouvailles. Un lit. Et franchement, ce challenge, est-ce qu'il commence pas trop bien? Déjà, on a de quoi dormir ce soir. Mais je crois qu'en plus, c'est très très rare hein, de trouver un lit qui est en plus. Un deuxième lit. Ah mais c'est aberrant. C'est aberrant. On peut dormir les gars déjà. C'est énorme. Je vous rappelle encore une fois que le principe du challenge, ça va être que tout cet endroit soit dépollué. C'est pour ça qu'il y a une sorte de couleur un peu marron un peu partout. C'est parce que l'endroit est très pollué. Et surtout va falloir construire. C'est à dire qu'ici il y a un bar. Bah va falloir essayer de construire un bar nous mêmes. Et du coup voilà, toute cette carte va devoir être construite par cette personne qui va être bah en fait la dirigeante. En fait c'est un peu comme s'il y avait eu une apocalypse. Il y a plus rien dans cet endroit qui est délabré de fou. Et elle va devoir tout construire. Ok, alors attendez, regardons ça. Regardons les
mes premières récoltes. Bah j'ai déjà 3 lits, c'est pas mal hein, en vrai 3 lits. J'ai eu un tabouret, barre tendance, je vais le vendre. J'ai eu une table rustique, celle-là je vais la garder. Ici on a 32 sommeils, je m'en bats les couilles. On a un fauteuil, je vais le garder. On a une baignoire, on a un deuxième lit si jamais on a un jour des enfants, c'est un peu tôt pour y penser. Et j'ai un lavabo. Par contre il est cassé, je vais pas pouvoir le réparer. Va falloir que j'appelle des gens. Pour l'instant je vous propose les gars, le challenge vient à peine de commencer, on peut déjà se faire une sorte de maison. Ah ça va ressembler au dimanche challenge les gars, je vais avoir une porte et c'est tout quoi. Voilà, c'est mignon en vrai non? Regardez, ici à la chambre, en vrai on va faire une bête de maison. La salle de bain elle va être ici, regardez. Hop là, voilà, il y aurait les toilettes pas loin. Écoutez, nickel, en vrai pour l'instant on est bien, juste ce qui me manque c'est de quoi manger. Voilà, déjà j'ai une maison. Donc on est d'accord, je peux pas réparer. Je peux pas appeler quelqu'un? Entreprise, je peux pas appeler quelqu'un. Ça va être horrible parce qu'en fait là je vais devoir vraiment dépenser 800 simflous pour réparer quelque chose, c'est ça? Groupe de réparation, c'est tellement pas bête. Ah mais vous êtes trop forts par contre les gars, c'est une dinguerie. Et je vais les appeler les larbins. Activité de groupe, réparer des objets, incroyable. Incroyable, et on va faire venir les larbins. À chaque fois les plénosas les gars ils nous cassent les couilles. C'est quoi là, il va y avoir Geoffrey Plénosas qui va venir. Voilà, ce qu'on a, il nous coupe l'électricité à chaque fois. Et on va avoir Vladimir Gothic bien sûr qui va venir commencer réunion. C'est à dire que là les larbins ils viennent et hop ils vont venir réparer direct. Non mais c'est génial. Génial les gars, j'arrive, il y a des adultes qui me font tout quoi. Ils pourront même faire à manger, ça sera nickel, ils vont faire de la bouffe, j'aurai rien à payer. Nickel. Eh bah écoutez, vous pouvez rentrer et bonne continuation à la prochaine. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Bon nickel, ça ça dégage, on va aller faire notre petit dodo nous, voilà, et c'est nickel. L'empreinte écologique de votre quartier est neutre. Écoutez, c'était une horreur et maintenant il est en train de s'améliorer de fou. Vas-y les gars, on va aller à Windenburg, on va essayer de se trouver des graines et on va essayer de planter pour faire un peu des cultures. Attendez, on peut pêcher. Est-ce qu'elle n'aime pas la pêche? Je vous ai dit que je disais oui à tout, j'ai malheureusement pas oublié. C'est-à-dire que là, dès qu'elle va faire de la pêche, elle va se dire, ouais, j'aime pas. Voilà, l'étendue, elle aime pas du tout. Génial! Vas-y, juste commence à avoir la dalle là. Est-ce qu'il y a pas des plantes qui ont poussé? Ok, bah si, je sais comment faire. Pour manger, c'est pas compliqué. Un frigo! Mais non, ça c'est énorme, les gars. J'ai trouvé un frigo. Cherchez des repas, s'il te plaît, cherche des repas là. Là, il se fait faim. Putain, les gars, c'est une aubaine. Elle a trouvé du tofu mapo au porc, bien périmé depuis 13 jours. Repas épicé périmé, la totale. Vas-y, c'est bon, elle a mangé. On est extrêmement bien. Il me faudrait des toilettes. Vas-y, on se fait une giga session trouvaille. Là, vous allez voir un peu comment on va retrouver notre maison. Là, je trouve des frigos. Vas-y, des toilettes, s'il vous plaît, des toilettes. Un évier. Vas-y, il me faut juste des chiottes, s'il vous plaît. Fais une sieste dans la benne. Moi, je pars pas d'ici tant que j'ai pas des toilettes. Voilà, je l'ai dit. En vrai, go à l'école. Elle va aller à l'école. Elle va faire des rencontres. Faites voir, est-ce que dans ses connaissances, elle va se faire des amis ou pas. On va voir. Parce que chaque fois que je le fais, ça ne marche pas pour moi. Tu vois, elle s'est fait zéro pote. Putain. C'est dingue, pas de potes. Bon, écoutez, j'ai quoi dans mon inventaire? Non mais les gars, laisse tomber, je peux déjà ouvrir un magasin. Est-ce qu'un enfant, il peut gérer un magasin? Bah ouais. On s'ouvre un petit magasin, les gars? On va essayer, les gars. On va essayer. Déjà, le frigo. Ok, on prend celui-là. Une enceinte. Oh. Voilà, histoire de faire un petit peu la fête chez nous. On va faire des petits travaux. Ah, les gars, ça va être magnifique. Non, déjà, venez, on fait un truc de ouf. J'ai envie que ma maison, elle ressemble à ça. Voilà, mais une couleur un peu comme ses yeux. On est d'accord, c'est stylé, quoi. Et par contre, la porte, elle va pas du tout. Écologie, est-ce qu'il y aurait une porte qui rend bien avec cet endroit? Eh ben voilà. Je suis en admiration, les gars. J'arrive. Boum. Voilà, la chambre, c'est ça. Si on délimite la chambre, ça fait ça. Voilà. Là, ça, c'est l'endroit, cuisine, tout ça, tout ce que tu veux. Et là, la salle de bain. On délimite. Voilà. Hop, j'ai plus d'argent. Va falloir que je vende des trucs par contre. Vas-y, je vais vendre ça. Comme ça, au moins, je fais les murs et la délimitation, elle est terminée. Il y en a une sensation d'avoir une maison. Et regardez ça. Chambre pour enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On est un petit peu délire, un petit peu fun. Bam, en jaune. En vrai, vas-y, je vends tout. Je vends tout. C'est bon. Je veux quelque chose de beau là. Il me faut un truc en rouille un peu. Ça. Voilà. Bon, on a pas de toit. On va les mettre tout de suite. Ah, il y a pas de lumière. Il faut des fenêtres. Non, en vrai, c'est original de ouf quand même. Genre là, regardez la chambre. C'est pas fou, en vrai. Écoutez, en vrai, ma villa bidonville est juste masterclass, j'adore. En vrai, les gars, ça commence, c'est nickel. Et on va s'acheter aussi une petite éolienne. En vrai, j'adore cette maison, les gars. Je vous jure, j'adore cette maison. Et là, du coup, j'ai plein de meubles et tout pété. Et du coup, ce que je vais faire, c'est hop, commencer réunion. Les membres du groupe Les Larbins arrivent. Et là, ils vont réparer mon frigo. Ça serait bien qu'ils me remplacent tout ça aussi, mais bon, faut pas trop en demander, visiblement. Écoutez, il est en train de me réparer ça, le larbin. Oh, il va mourir! Non, attends, s'il meurt, par contre, c'est une folie. Oh, il... Le nulos! Oh la merde! Le délire! J'engage un larbin, il est même pas capable de réussir à réparer! Alors que c'est un plénosas! Les plénosas, c'est ces connards qui nous coupent l'électricité chaque deux semaines! Il sait même pas gérer l'électricité! Oh là là, mais la galère quoi! Elle est un peu trop mal, la gamine, la première fois qu'elle voit quelqu'un mourir, c'est dégri! Bon les gars, on peut se féliciter, le premier mort de la saison! Oh, c'est vraiment dommage! Rip, bébou! Bon, mais écoutez, on va dormir, il est 19h, j'ai un lit un peu éclaté. Bon, en tout cas, j'ai pas de lumière chez moi. En vrai, les gars, ma maison, je la kiffe. Voilà. Là, le challenge, il a commencé en termes de gameplay il y a 45 minutes. Je suis déjà dans un palace, donc je suis juste aux anges. L'or a une dent qui bouge. Oh putain, l'or! Arrache-toi la dent. Hop,
arracher la dent qui bouge. Et là, directement placer la dent sous l'oreiller. Hop. Et là, 75 simflouz. Et allez, on est bon. À nous l'argent. Oh, attends, mais j'ai plein de trucs à vendre ici. Est-ce que les gars, il y a une table de vente avec écologie ou pas? Table entreprise prometteuse. C'est énorme, les gars. C'est énorme. Venez, on va fouiller les poubelles et on se bouge le cul. Oh, j'ai trouvé des chiottes. Bon, là, on va s'enchaîner les trouvailles pour l'argent un peu. Est-ce qu'il y aurait une méthode aussi pour avoir de l'argent facilement? En fait, avec les Dimanche Challenge, on a découvert beaucoup de façons de gagner de l'argent. Il faut juste que je regarde les Dimanche Challenge et voir un petit peu comment ça s'est fait pour l'argent. Je trouve un ordinateur. Portable personnalisé, mais c'est quoi cette folie? Bah, vas-y, on va se casser, on va se casser. Ok, vas-y. Et la musique toujours à fond. Attends, mais en vrai, je vais le vendre ce truc. On s'en bat les couilles. Hein. Vas-y, j'ai des chiottes, trône en cuivre. Voilà. Je vais m'acheter une table. Voilà. Non, mais les gars, ça, par contre, c'est une folie. Hein. Mais bon, attendez, l'ordinateur, il vaut combien? 2000. C'est une folie en vrai. Et ça veut dire que du coup, je peux vendre des trucs là-dedans. On est d'accord. Boum, boum, boum. Voilà, j'arrive. Oh là là, mais regardez ça. Mais ça se voit qu'elle est débrouillarde. Elle a 7 ans, elle est en train de gérer un petit marché chez elle. On est bon. S'occuper de la vente. Et je vous propose d'augmenter les prix, évidemment, à 300% et de commencer un petit vide-grenier. Oh, 480. 360. Allez, c'est bien. On continue, mesdames et messieurs. Allez, je suis un enfant. Allez, 360. Bon, les gars, on a 2200 simflouz. Est-ce qu'il serait pas temps d'acheter un magasin? Du coup, je vais bien sûr aller à Evergreen. Et je peux acheter, les gars, un magasin ici. Conteneur à vue. Allez, let's go. Est-ce que tu te rends compte, je suis enfant, j'ai 7 ans. Je suis allé m'acheter un putain de terrain pour y construire un magasin. Et voilà. Genre là, je vais transférer mes petits fonds. Après, je sais pas si un enfant, il peut gérer un magasin. Mais après, je peux gérer des employés, par contre. Voilà mon magasin, les gars. 7 ans et déjà propriétaire d'un magasin. Définir comme étant à vendre. C'est énorme. Et là, du coup, c'est-à-dire que je peux ouvrir. Marge, 50%. Marge 50%. Ah, petite blague. L'endroit, en tout cas, fait rêver. Je sais pas ce que vous en pensez. On va rajouter quelque chose d'assez sympa. On va mettre une petite lumière. On arrivera à trouver quelque chose de logique sur le fait qu'on a placé ça sur un plafond qui vole. Ok, bon, pour l'instant, elle est un peu tendue. Attends, va falloir la travailler au corps, elle. Présentation amicale. Quel choix, quelle qualité. J'achèterai quelque chose quand vous aurez un moment de m'encaisser. Les gars, je peux pas l'encaisser. Je peux même pas l'encaisser, cette connasse. Attends, va falloir que j'engage quelqu'un, je pense. Voyons voir. Vous ne pouvez pas gérer les employés avec des enfants ou lorsqu'un cible est en train de mourir. D'accord, je peux pas. Le jeu est enfantophobe. C'est génial. Non, en vrai, c'est abusé. Donc, faut que j'attende que je sois adolescent. Puis rentrer à la maison. Ça me dégoûte. Moi, perso, j'avais déjà montré ma start-up à 7 ans. Voilà. Amazon, je sais pas si vous connaissez. Je l'ai vendu après à un mec qui s'appelle Jeff Bezos. Ça fait chier, quoi. Regarde le mode live in business de Little Sam. Tu peux faire un commerce à domicile et tu n'as pas besoin d'encaisser les clients. Ok, nickel. Normalement, c'est bon. S'il vous plaît, dites-moi que c'est bon. Comment il marche, mode? Apparemment, dans les traits de terrain, vous m'avez dit tout à l'heure. Habiter dans un magasin. Habiter dans un bar. Mais non, on peut habiter dans les bars et tout. Est-ce qu'on peut gérer un bar? Tenez un bar dans votre domicile. Mais c'est dingue. Vas-y, habiter dans un magasin, let's go. Ok, et du coup, là, je peux donc créer un magasin. Imagine, on a ce lit, d'accord? Là, est-ce qu'il faut que je mette une caisse enregistreuse et tout ou pas? Attends, mais genre là... Moi, ça marche alors. En vrai, comment je vends? Clique sur l'objet et choisis mettre en vente. Là, mais tu vois, ça me propose pas. C'est chiant, j'ai l'impression que rien de ce que vous me dites fonctionne. Là, imagine, je vais dans mon magasin. Peut-être que ce mode rajoute la possibilité que les enfants ils peuvent gérer leur magasin mieux, non? Les ventes se font seules. Ah ouais? Ah ouais. Non, c'est un bug et ça bug peut-être parce que t'as déjà un magasin. Vas-y, les gars, je vais fermer, je vais tout vendre, je vais tout transférer, je vais vendre mon magasin. Voilà. Peut-être que c'est une erreur. Hop là, et je vends. Voilà. Voyons voir. Du coup, est-ce que cette fois ça marche? S'occuper de la vente. Faire une sieste. Bon ben voilà. Les gars, ça ne change rien. Je ne peux pas mettre en vente les trucs. Non, je sais pas, ça marche pas. Peut-être que les enfants peuvent pas aussi bien, c'est ça le problème aussi. On a 6000 simflouz, venez, on améliore un petit peu la maison. Alors, bon ben c'est nickel, tout ce que j'ai fait, c'est raté. Je suis dégoûté. Oh la journée. Oh, Noémie. Oh, je vais juste demander aux gens de crier et je leur pique. Non mais là Noémie, tu m'as donné l'idée, merci Noémie d'exister. Noémie, elle arrive, clac clac clac, elle fabrique. Tout ce que Noémie va faire sera à moi. Noémie, pourquoi tu l'as récupérée? Je la reconnais bien là, Noémie. Je suis dégoûté. Je pensais qu'on avait fait la trouvaille du siècle. Elle grandit quand? Elle grandit normalement dans pas trop longtemps. Dans 2 jours. Mais je pense qu'on va essayer de se faire un peu d'argent là. Déjà, on est autonome, ça, c'était mon rêve. Et franchement, ça fait plaisir. Ok, en fait, là, tout ce que j'ai à faire, c'est fouiller les poubelles et chercher des repas. Lucas, arrête de me casser les couilles, s'il te plaît. T'es saoulant là. En vrai, je crois qu'on a vraiment trouvé des trucs pas mal. On a trouvé des chiottes brutes et une télévision œuvre d'art d'une valeur de 3150 simflouz. Ce qui fait que si jamais on venait par exemple à vendre cette télé dans un magasin, on pourrait la vendre 50% en plus de son prix, ce qui ferait statistiquement 5000 simflouz et donc énormément de richesse. Tu vois, à la fois je me dis, on peut se faire chier avec la table d'activité à se faire des dessins et en une journée on se fait 3 simflouz, ou alors on fouille les poubelles et on trouve une œuvre d'art. Bon, là le choix est vite répondu, mais je vais quand même faire des petits dessins. Vous savez quoi? Cet endroit n'a aucune peinture malheureusement. Eh ben, j'en ai rien à foutre. Dessiner des formes. En vrai, ça serait marrant que vraiment l'intégralité de mes peintures ce soit elle qui dessine comme une merde, quoi. Ça serait drôle en vrai, non? Voilà. Oh, attendez. Non, mais par contre, là, les gars, mon endroit il va être magnifique, plein de dessins. Je veux même pas les vendre en fait. Je veux juste qu'on soit là et qu'on se régale. Voilà, elle va nous décorer l'endroit. Il y aura des dessins partout. Ça va être tellement incroyable. Attends, faut que je vende. Vas-y, s'occuper de la vente, installer les objets, commencer vite grenier. Allez, on est parti. Vite, bouge ton cul, j'aimerais bien vendre des trucs là. 1200 simflouz.
C'est quoi qui lui a coûté si cher? Un truc à 300. C'est sûr, c'était le vieux jouet de merde. Venez, avant que ce soit trop tard, on va se récupérer des graines. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais sur une île pour récupérer des plantes, parce que j'ai aucune plante. Donc je vais récupérer des plantes partout. Hop, je récolte, et on se fait une culture, les gars. Comme Jaja. L'or n'est pas assez de compétences facultés mentales pour faire ça. Je suis dégoûté. L'or est complètement conne. Elle a pas assez de faculté mentale pour récolter des putains de plantes. L'or a terminé son projet scolaire. Écoutez, je vais aller voir le projet, fais voir ce vieux projet. Nul. J'ai quoi pour augmenter ma capacité mentale là? Je peux toujours pas récupérer des putains de plantes? Non. Y'a quoi à faire? Elle grandit dans combien de temps? Dans vraiment pas longtemps en vrai. Dans vraiment très très peu. Longtemps. Eh ben voilà. Voilà, voilà. Attends, mais on va voir sa tête, les gars. Elle aura pas été enfant très très longtemps. Très aléatoire, attention. Et elle est... C'est une pitre. Oh là là, la pitre. Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on va lui donner comme trait? À savoir que je crois que ce premier trait, c'est un trait qui va rester en elle. Donc je pense qu'on va lui donner la fortune. Toutes les semaines, elle aura des bénéfices. Douée en affaires. Voilà. Faites voir. Mais elle est BG de fou, par contre. Là, elle est un peu en mode ouin-ouin et tout. Mais franchement, elle a du charisme. Hein. Et du coup, bah là, ça veut dire putain que je peux vivre ma vie d'adulte, quoi. Mais attendez, est-ce que je peux vendre des choses, du coup? Ouvrir le magasin. Ça y est, les gars, je peux. C'est-à-dire que là, par exemple, j'arrive, ouvre le magasin. Et là, par exemple, je peux... Ah, ça propose pas, quoi. Je comprends pas. Tu peux rien mettre en vente. Mets ton cristal sur une table et mets-le en vente. Ah, mais c'est que des ventes comme ça? Définir comme étant à vendre. Autant passer par la table de vente. Mais c'est nul, alors. Parce que l'intérêt pour moi d'un magasin, c'est de vendre les gros objets. Sinon, les petits objets, bah, je les vends sur une table de vente. Une table de vente, je peux les vendre à 300%. C'est-à-dire que si tu as un objet à 1000, tu peux le vendre à 4000. Là, si le magasin, il peut faire que 100% de vente, oui, je m'en occupe pas, mais c'est insupportable. Bon, écoutez, je vais régler ça tout seul, tranquillou. Écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, aujourd'hui, nous avons effectivement notre l'or dur qui est là, qui a grandi. Putain, l'or dur, les gars, franchement, elle pense à Inox, c'est sûr. Oh là là, ça, c'est sûr, elle pense à ça, les gars. C'est pour ça elle est trop dans le mal. Et en vrai, le personnage archi BG, je pense que c'est l'un des persos les plus BG qu'on ait fait, en vrai de vrai. Elle a un vrai charisme, quoi. Semaine prochaine, cet endroit, j'ai envie de le développer de fou furieux. Genre avoir vraiment la maison qui fait deux fois sa taille avec des étages, un truc de fou. Je vais essayer de mon côté trouver des mods pour créer des magasins et d'avoir de l'argent de manière un peu originale et sympa. Semaine prochaine aussi, on va aller au lycée avec elle, en vrai. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle série. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être une série qui va durer 4-6 épisodes. C'est vraiment une série de transition. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est un peu un retour aux sources pour moi parce que je vous le rappelle, c'est la toute première série que j'ai fait sur YouTube, le Challenge SDF. On se retrouve tous les jeudis à 20h pour la suite du live. N'hésitez pas à vous abonner et mettre le petit like. Et ciao la team. Ciao la team. Ciao.